à tous, bienvenue sur Sport2B TV. Voilà, on se rejoint aujourd'hui pour une séance de Kid Activity, donc du sport avec les enfants. Voilà, un petit rappel, n'hésitez pas pour nous soutenir pendant cette période à liker, participer au live, inviter vos amis à faire les séances avec nous. Voilà, et donc, vous trouverez tous les replays sur la chaîne YouTube, Sport2B, toute attachée TV. Et voilà, on a mis également en place une cagnotte si ça vous plaît et que vous avez envie. Voilà, vous pouvez nous retrouver comme ça. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Alors, il vous faut 3 morceaux de tissu, un bleu, un blanc et un rouge, une feuille de papier, merci Raphaël, une feuille de papier et un crayon. Ah oui. Donc une feuille de papier, un crayon, et puis on est parti. Voilà, on va commencer l'échauffement. Voilà, en priorité, papier et crayon. Oui. Feuille de papier et crayon. Alors aujourd'hui avec moi, peut-être qu'on aura Rafa, il y a Mathis. Salut. Et Tessa, elle vient avec. Voilà, Tessa aujourd'hui, elle sera l'arbitre et un peu la coach parce qu'elle a fait une chute de roller. Donc, voilà, un peu mal à l'épaule, donc elle va nous accompagner comme un peu. Allez. Alors, petit truc aussi, on s'est créé la roue de la fortune aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous allez voir, on va faire pas mal de jeux et à chaque fois qu'on perd, eh ben, le gagnant il aura le droit de faire tourner la roue pour donner le gage à l'autre. Et ben, pour nous, ça sera Tessa qui s'occupera de faire tourner la roue de la fortune. Allez, Rafa, on pose tout ça là. Alors, on va commencer l'échauffement. Prenez une petite longueur de 3-4 mètres de long ou 5 mètres ou dans le couloir si vous avez chez vous. Au bout, vous posez une feuille avec un crayon et vous faites un quadrillage comme le jeu du morpion. Donc vous faites un petit quadrillage comme ça avec le jeu du morpion. Chacun choisit soit les ronds, soit les croix. Et vous allez voir comment on va avancer. Donc, pour commencer, on va faire d'abord un tour pour s'échauffer. Et après, on jouera. Pour s'échauffer, premier tour, on va le faire. On va faire le canard, la chenille et le lapin. On les avait déjà fait sur la première séance, mais on va repartir sur ça pour s'échauffer. Donc, le canard, on rentre en matisse. Donc, nous, on va aller d'une jambe à l'autre. Le canard. Hop. On prend le temps de bien écarter. Voilà, on vient en marchant tranquillement. Après, on fait la chenille. Donc, on va chercher très loin devant, très loin le plus qu'on veut, et on revient. En faisant des petits pas. Et après le lapin, hop, petit saut en arrière, on revient, on saute devant, hop, et voilà. Donc maintenant, on s'est un peu échauffé, on va continuer l'échauffement, on va aller chacun notre tour, et on va choisir, et celui qui gagne le morpion a le droit de donner un gage. Allez. Alors on commence en canard, allez. Et on revient en canard, mais j'avais oublié de préciser. Allez. Ici la nouvelle vie, c'est une croix au milieu. Allez, en chenille. Allez, vous faites bien les fesses, vas-y, allez jusqu'au bout. Allez.
Allez, on peut croiser. Hop là. Break, 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 on va voir comme ça. Allez, Mathis, tu peux démarrer. Mais oui, t'es trop gros, ça va tomber. Aïe, oui.
Allez. Je sais pas si vous avez fini. Alors, c'est quoi la punition? 10. Mountain Climbers. Alors, Mountain Climbers, vous allez vous mettre. Donc, il y en a 10 à faire pour les perdants. Main sous les épaules. Et on va monter. Le genou entre les coudes. Donc, ça fait 1, 2. Allez, parti. 1, 2, 3, 4. Allez, je vous laisse souffler un coup par là. Pour hydrater, t'es ça les bonnes. Allez. Donc l'atelier suivant, c'est pas l'atelier, on va continuer. Si on va faire un petit peu de renforcement musculaire et de gainage. Donc là, c'est là où on va avoir besoin de nos 3 couleurs de chiffon. Non, on en a besoin en fait. Donc on va en avoir besoin, vous les mettez juste à côté de vous. Avant de commencer, donc on va refaire un petit, on va se préparer. On va faire un peu de gainage, hein. Ce qu'on a fait beaucoup la semaine dernière. On va refaire un petit peu. On va se réchauffer en faisant l'exercice du chat. Peut-être baisser un peu la musique. Voilà, vous allez peut-être mieux m'entendre. Donc on va refaire l'exercice du chat. On va commencer à travailler la planche qu'on va beaucoup faire après pendant les jeux. Et on fera un peu de un peu de Superman. Voilà, bien sûr. Donc je vous laisse vous mettre en place. Si vous avez un tapis ou une serviette, c'est le moment de la prendre. On revient bien au plat, on respire, on creuse et on souffle. Allez.
Allez, hop, on revient, on change de jambe. Et de bras. Allez, top, on revient, on pose les mains et on décolle lentement. Voilà. On serre bien les abdos comme si on voulait se prendre bien d'aller aux toilettes. Et on serre les fesses. Descends un peu les fesses, Mathis. Voilà, serre bien les fesses maintenant. Voilà. Allez, 3, 2, 1. On récupère. Allez, on se redonne 30 secondes de récup encore. Allez. Papa, tu viens jouer avec moi?
Shifumi. Ah, j'ai gagné. Un nouvel petit.
Allez, on repose, on change de... Changez de bras et jambes. Si vous êtes comme nous, à deux-deux. Pas de voilà, c'est bien, ça vient. Ça fait travailler aussi la psychomotricité. Allez, là, c'est ça, ça. Qui va gagner? Shifumi. Shifumi. Ah, alors, j'ai perdu. Ah, ça va, 5-5 de figure. Allez, c'est parti. Pareil à la maison. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, viens, Rafa. Allez, on vous laisse boire un coup, on fait un mars, une petite manche. Ne vous inquiétez pas, on bouge un peu. Alors, viens montrer sur le côté, c'est ça? Donc, vous m'avez oublié de vous dire, il va falloir utiliser le mur. Alors, pour travailler, on va refaire un peu tout ce qui est gainage qu'on fait un peu depuis le début. On va monter à l'envers contre le mur. Il faudra bien contracter les abdos et les fesses. Et une fois que vous serez la tête en bas, il ne faut pas se laisser écraser comme ça. On est fort. Hop, on sort les épaules un maximum pour pouvoir rester bien droit. Alors, je vous montre comment ça va se faire.
Donc vous allez venir vous positionner contre le mur. Et hop, on va monter les pieds au fur et à mesure. Tac, tac. On va venir comme ça. Et une fois ici, je suis bien sûr, je monte et je tiens ma tête. Allez. Voilà. Ouais, on va faire ça tout pire. Pardon, mon gars. Je dois filmer mon fils. Donc, les papas, les mamans, vous restez bien à côté pour rassurer. Mathis, allez. Donc, si vous avez peur, vous pouvez rapprocher les coussins. Mais je pas trop loin. Pirate. Oui, faites bateau pirate. Allez. Voilà, vous montez. Attends, parce que ça va descendre. Hop. Voilà, il monte. Tiens-toi bien. Viens fort. Rentre tes abdos. Serre tes fesses. Voilà, on assure bien. Rentre la tête maintenant. Et fort. Tu pousses sur tes bras. Pousse. Voilà, vous avez vu comment il est monté. Super. Allez, on relâche tout doucement. Tu ravances. Allez, on essaye de tenir la position 5 secondes à la maison. Et on va essayer de le faire 3 fois l'exercice. Ça va? Rafa, tu le fais toi? Non. Tu veux pas venir mettre la tête en bas? Moi, je veux bien, mais... Non, mais toi, t'as mal à l'épaule. Allez, moi, je le refais un coup. Allez. Allez, attends Mathis. Papa, tu viens. Prends le coussin au cas où Mathis y tombe. Allez, serre bien les jambes. Serre les fesses. Pousse sur les épaules. Allez, on tient 5 secondes. Et on revient. Arrête, papa. Allez. Allez, tu le fais toi. Non, si. Montre-moi comment tu sais faire le poirier. Je le fais pour toi. Non, je le fais pour toi. Allez, moi je refais un coup. Allez, hop, on revient bien. Hop, on serre les fesses. Et on pousse. Dans les bras. Allez, on revient, hop. À toi Mathis. Dernier. Allez, un dernier tour à la maison aussi. C'est le bateau pirate. Non. C'est quoi? Attends, il faut que j'assure Mathis. Parce qu'il commence à fatiguer. Attends. Allez, serre-moi tout ça là. Allez, on rentre bien. Serre les fesses, pousse dans les bras. Voilà, super. Allez, reviens tout doucement. Voilà. Allez, on vous laisse souffler un peu à la maison et puis après on va faire le deuxième exercice. Tété, je crois que tu peux rester là. Quoi? Où on va le montrer là, oui. Quand je bougeais comme ça, là. Je l'avais comme ça en bas. Ouais. Et je remontais. Allez, remets ton écharpe, Pépé. Non, tu montes pas, s'il te plaît, on est en train de parler. Allez, Mathis, on est parti. Alors, on va essayer de maintenant de faire la même chose. Donc c'est là où il faut mettre les coussins sans le mur. C'est-à-dire que Mathis, maintenant, je vais me mettre à côté pour le parer. Il va prendre un refaire, il va venir poser ses mains là et lancer ses jambes tout en étant très fort. Et moi, je vais l'assurer. Alors, on ne garantit pas le résultat. Voilà, c'est pareil, on se concentre, on vient poser ses mains, on lance ses jambes dans l'air. Et une fois qu'on se met en l'air, on pousse bien fort. Voilà, allez, ouvre les bras. Voilà, on tient et on revient, on ramène. Allez, on vous laisse essayer à la maison une ou deux fois. Ce qui est important pour les papas et les mamans, c'est de bien mettre la main pour parer, attraper et bien tenir. Oui. Voilà, et viens mettre la tête en bas, toi. Allez, on le refait un coup, Mathis. Allez, vous essayez. Attends, je vais le faire. Alors, vous essayez trois fois à la maison et puis après, on fera un dernier petit jeu. Voilà, serre bien les fesses. Et voilà, c'est calme. Rafa, tu viens le faire? Voilà, c'est bien important d'assurer. Et maintenant, il y a
essayer de tenir tout seul. Allez, contracte bien, contracte tout. Ouais, bien. Allez, on vous laisse ranger les tapis, on va faire un dernier petit jeu avant de se quitter. Mais papa, on va le manger. Oui, mais on va le faire après ça. Là, on va faire. On va faire un deux. Tu connais. Tu joues toi à l'école. Un, deux, trois soleils, on va jouer. Non, mais là, ça quatre pattes. Oui. Alors, dans l'idée, on vous proposait de faire un jeu que tout le monde connaît, qui est le 1, 2, 3 soleil. Donc, t'es ça, ça sera au mur, donc comme ça, si à la maison vous êtes que deux, ben, vous pouvez jouer parce que c'était ça, voilà, qui va dire 1, 2, 3 soleil. Et donc, ben, on va éviter de courir, donc on va le faire, premier tour, on va le faire en canard. Donc, vous allez vous positionner en canard et on doit avancer. Avec la fait la gym. Allez. Non, j'ai fait avec la gym. Allez, c'est prêt, on est parti. Et ça. Ouais, faut que tu parles fort pour que tu t'entendes. Laisse un peu de. Non, non, faut mettre au mur. Oui. Bah, mets-toi avec Tessa, c'est là-bas. Non. Allez, prêt. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Faut reculer. Allez, le prends. Mais non. Baptiste. Et quoi? Il s'est approché quand il est arrivé, il a vu. Allez. Faut que je mette au mur. 1, 2, 3, 2, 1. Ah, ma guise, ouais. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Parle bien fort que ça parce que je suis pas sûr. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Parle plus fort que ça. 1, 2, 3, 2. Allez. Et ben, comme j'ai perdu, et ben, roule la fortune de nouveau. Allez. C'est 10 squats. Ouais. Allez, 10 squats, on est parti. Tu es avec moi, Rafa? Allez, hop. Ouais. Allez, vous pouvez prendre de là. Si vous avez perdu, vous pouvez prendre un peu de charge. Allez, on est parti. Allez, on relance.
Allez, 10 squats. Allez, on les fait ensemble, Mathis. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descends à toi. Vous voyez, il y a des risques partout avec un moustique qui parle. Allez, on vous laisse récupérer dans la cour. Prenez les tapis, on fait un petit peu d'étirement. Et on vous libère pour aller faire le goûter. Allez, on reprend le tapis. Allez, on est parti. On commence par les volets. On vient poser le pied au-dessus du talon. Allez, on change de jambe, on est de l'autre côté. On revient sur la première jambe. On rechange une nouvelle fois. Voilà, on vient sur les genoux. On plante le talon. On ramène les doigts de pied vers soi. Voilà, on peut fléchir un peu, mais on essaie de garder le dos bien droit et de rester bien aligné. Mathis, aligne-toi, voilà. Redresse-toi, voilà. Allez, on change de jambe. Allez, on laisse le pied dans le sol, on va chercher haut. On va étirer toute la partie là, le psoas, l'iliaque. Voilà, on souffle bien. Allez, on relâche, on change de jambe. On relâche. Allez, on s'assoit sur les fesses. On étire les quadris. Où est-ce que tu as trouvé ce point anglais, toi? C'est 4 ans avant. Il avait planté dans la manche. Allez, on change de jambe. Allez, on relâche, on vient sur les genoux, on va étirer un peu les bras et les épaules, donc on va essayer d'amener sa main entre les omoplates derrière, voilà, on tire un peu, allez, on change de bras, allez, on relâche, on va étirer maintenant l'épaule, on va venir pousser avec sa main dans son coude et on va amener l'épaule derrière. On relâche, on change de côté. Allez, on relâche, maintenant on va faire les cervicales. Donc on va relâcher tout doucement, on reste pareil, on vient mettre sa main ici, surtout ne tire pas, on la pose juste. Et en fait l'objectif c'est de faire tomber son bras au maximum. Voilà, ça va soulager un petit peu ici sur la partie des trapèzes. Voilà, du haut des trapèzes, et on va... L'objectif, on ne tire pas pour pas se faire mal. On pose juste la main pour aider un peu la tête à s'incliner, c'est tout. Voilà. Allez, on change de côté. Allez, on relâche tout doucement, maintenant on va aller sur l'avant. Pareil, on positionne juste les mains et on va s'enrouler. Au fur et à mesure qu'on va souffler, on va venir faire toucher ses coudes sur ses genoux tout doucement. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez. Voilà, vous ne tirez surtout pas sur les mains. Vous venez vous enrouler tout doucement.
Allez, on relâche. Vous venez après, vous positionnez à quatre pattes, on garde les mains bien plantées dans le sol et on va venir poser les fesses sur les talons. Allez, on revient devant, on vient se mettre sur le dos, on vient mettre les genoux à la poitrine et on va basculer de gauche à droite. Pour bien se masser les lombaires. Voilà. Allez, après on va basculer sur le côté gauche. On va poser la main droite au sol et on va pousser pour se relever. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter si vous avez des remarques à nous faire. J'espère que vous êtes bien amusés. Nous, on a essayé, tout du moins. Donc n'hésitez pas à nous soutenir dans ces moments un peu difficiles. Vous pouvez liker notre page sur Facebook. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Sport2B tout attaché TV. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un petit tour aussi sur notre cagnotte Litchi pour aider l'ensemble de l'équipe qui représente plus d'une quinzaine de personnes aujourd'hui qui vous propose des cours tous les jours. Voilà. Prenez soin de vous et restez en forme avec nous tous les jours en live. Merci, bonne journée à tous, au revoir.